Affaire de Mabio à la Baka, Loïc Jordan ressort encore sur ce dossier-là. Check l'extrait. Sous la pluie, ma maman, en train de demander pardon. Mon papa est derrière les plaignants. Mes enfants pardonnés, mes enfants pardonnés, mes enfants pardonnés. Pendant ce temps-là, c'est mon papa qui est sous la pluie, en train de s'humilier. Moi, c'est arrêté. Jusqu'au point où je suis obligé maintenant de partir demander pardon aux plaignants. Pardonnez, 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 pardonnez. C'est ma fille, c'est la fille de la camarade de mon enfant. Pardonnez, pardonnez. Il s'est arrêté comme ça. Il est stupéfait. Il va, mon papa, arrêter qu'on sous la pluie. Il est comme ça, il est mouillé. Il s'est arrêté à côté. Il s'est là comme ça, il s'est étonné. Eh ma maman, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à 20h, entre 19h et 20h, ma tante s'est déplacée, elle est venue. Elle a demandé sa voiture, elle est venue. Mon ami Hassan Sanogo était là-bas. On est arrêté au commissariat. Pendant qu'on est au commissariat, là, les mêmes fraudes, les mêmes erreurs qui ont voulu vos stars là-bas, là, où ils sont là. En apocat, pendant que mon papa était humilié dehors ou en train de demander pardon aux gens, les stars ont été fait poste, tout allait 20h direct. Le commandant ne veut plus rien savoir. C'est fini. Ils sont obligés d'appeler Safarel parce que Safarel connaît les plaignants. Safarel est venu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Safarel est arrivé de voyage. Il est venu trouver. Il est vieux. Voilà, l'association a fait les gâteaux dans ma main. Causez les plaignants. On appelle les plaignants. Ah, c'est comment? Et pardonner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Jusqu'à Estra est obligé de démarrer sa voiture. Vous allez vous parler ensemble à 23h. Mon papa encore au commissariat. Maman encore au commissariat. Tout le monde est au commissariat. On est sous la pluie, on est mouillé. Personne n'a mangé. Il faut pas seulement ce cas-là pour que vous compreniez un peu que il y a des choses qu'on a subies derrière cette affaire de police. Il y a des choses qu'on voulait arrêter. Il y a des choses qu'on voulait stopper. Il y a des choses qu'on avait vues avant que ça arrive. Il y a des choses pour lesquelles on a lutté. Et vous allez voir de quelle manière on a lutté. On arrive dans le commissariat à 23h. 23h. Mon père encore là, il est mon vieux. Il faut partir. Les trucs, les autorités nous regardent, mes petits, hey, l'affaire est arrivée loin, l'affaire est arrivée chez le procureur, on ne peut plus rien faire. Matin, ils vont la déposer. Mon papa est resté encore, ma tante est restée, tout le monde est resté. Il répète encore, il n'y avait aucun parent et aucun abonné, aucun ami de cet individu. Il n'y avait personne. Tout ce qui était là, c'était ma famille. Safarel est obligé de prendre sa voiture, se déplacer, aller derrière les plaignants à 3h. Écoutez-moi bien, à cause de moi, Safarel est resté, elle est plaignant de 3h jusqu'à 7h du matin pour que le plaignant vienne retirer les plaintes. À cause de moi. Ma tante est quittée là-bas, elle est revenue encore. Elle est le matin, il est minuit. Vous savez où il est dormi? Parce qu'il a appris au coq que. Normalement, c'est matin, on défait les gens. Il a dormi devant le commissariat de minuit jusqu'à 7h du matin. Sur la tête de mon fils, il était dit qu'il est fallu. Il ne faut pas matin qu'elle me réveille là. Ils ont appris son corps pour mettre un coffre pour partir elle. Il était devant le commissariat, il a dormi là-bas. On est resté devant le commissariat encore du matin. Dès que JP est arrivé net, dès que JP est venu net, il a vu, on est calé quand on demande cargo là. On est arrêté comme ça devant le cargo. C'est-à-dire que ça s'est passé. Dieu merci, le vieux est arrivé. La vie est arrivée. Apparemment, Safarel est resté là-bas. Les plaignants étaient dans le show. Safarel est resté. Elle est plaignant. Jusqu'à 7h du matin, il dit ne bougez pas de là. Safarel est resté là-bas. Il m'appelle, Jonathan, c'est comment? Il dit, ah vieux, moi aussi, je suis là. Il est dormi dans la voiture. Il dit, vieux, moi aussi là, ils sont encore devant. Il dit, bon, restez là-bas, il est essayé de gérer. Demandez pardon au plaignant que le plaignant dit lui-même, ah, il est fatigué. De toute façon, c'est bon. Que lui-même, là, il avait déjà dit qu'il voulait retirer sa plainte. Mais elle a fait un poste. Où ça s'est passé de l'autre côté là-bas? Elle a fait un poste pendant qu'elle était là-bas. Non, c'est ça qui a fait que le procureur s'est énervé. Et moi, j'ai subi ça. C'est comme du déjà vu pour Ulrich Jordan. Mabio avait déjà fait un truc du genre auparavant. C'est ça que Ulrich Jordan est en train d'expliquer. Et bon, l'habitude étant une seconde nature. Elle a répété les mêmes choses et les mêmes choses textuellement, comme quoi à 20h je vais faire un direct, tout ça là, comme ce qu'on vous a relaté sur la chaîne ici. C'est la même chose qui s'était passée
il y a quelques jours. Et c'est ça que Louis Jordan est en train de relater là. Tous ceux qui sont en train de dire, bon, tu n'apportes pas soutien et tout ça, là. Le gars, il a raison. Le général Makosso même l'a dit. Louis Jordan a raison. À entendre, bien sûr, les interventions de Louis Jordan, il n'a plus rien à faire dans ce dossier-là, vous voyez. Quand on parle à une personne et la personne ne veut pas comprendre. Voilà, voilà ce qui arrive. Donc, laissez vos avis. Allez commenter. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. À tout à l'heure. Ciao.